Les lemmings, ils ne savent pas, mais c'est une affaire de densité et ils se suicident. C'est bizarre, mais on ne sait pas exactement pour quelle raison. On peut appeler ça un suicide ou une disparition collective et tout cela. Et il y a très grande quantité. Moi, ce qui m'intéresse, j'attaque fréquemment, et on me le reproche sans savoir, j'attaque le darwinisme. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est qu'on a des milliards de sauterelles qui dévastent des quantités invraisemblables de nourriture, aussi bien pour les animaux que les humains, et que ce que je constate, moi, c'est que quand les sauterelles sont jeunes, l'abdomen est comme ça, et hop, il a un creux ici, et il redevient gras et tout ça, et que personne ne fait attention à cela. Je crois qu'il n'y a que seul Henri Fabre, donc entomologiste français, qui avait noté cela, à savoir qu'il y a un déterminisme quelque part, puisque c'est l'endroit où la cuisse massive de la sauterelle, quand elle sera adulte, qui va prendre cet endroit-là, qui va se coller là-dedans. Donc j'aimerais bien que Darwin m'explique comment l'embryon de la sauterelle a fait pour concevoir l'endroit où viendraient les cuisses du personnage adulte, des choses comme ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais il y a pire que cela, vous mettez une piscine olympique d'eau fraîche, etc., et vous mettez des épinoches à une extrémité, les épinoches mâles. C'est quoi les épinoches? Les tout petits poissons à la con qui ont un bel aiguillon sur le dessus, et quand on s'y pique, on s'y fait très mal. Bon, eh bien, on met donc des épinoches mâles à 50 mètres d'épinoches femelles, on trempe dans l'eau. Quelques secondes après que l'épinoche femelle soit trempée dans l'eau, les épinoches mâles commencent à naviguer vers elle. Vous voyez, il y a centaines de milliers de litres d'eau. Voilà. On a la même chose chez les papillons. On a des papillons de mœurs nocturnes qui sentent les uns à des kilomètres. Comment ça peut se faire? D'abord, il y a quelqu'un qui a une bonne idée. Il dit, je crois que c'est le phénomène de l'intrication quantique qui fonctionne directement à hauteur de ces tout petits animaux. Parce que, à l'évidence, l'épinoche, c'est 3,5 cm. Si elle a un appareil qui lui permet de sentir ou de palper les atomes, quelque chose de genre, ça doit être extrêmement performant pour avoir un... Bon, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, à mon avis, on continue à observer et on se tait. Mais de nos jours, tout le monde a théorie, surtout.